cette nouvelle vidéo de Yankee, mais ça y est. Ça y est, c'est la fin. Donc aujourd'hui, on va ouvrir nos deux dernières boîtes de Eevee Rose. On a refait un tirage, quoi. Oui. Donc semaine prochaine, vous aurez sûrement d'autres univers de Pokémon. Vous verrez, de toute façon, on va recevoir des choses et puis... Ça va être trop bien. Ça va être bien, ça va être très très cool, il faut s'abonner les gens, merci à tous ceux qui s'abonnent, et comme vous le savez, eh bien en fait on a racheté du Eevee Rose parce qu'on aurait bien paquet, et non pas acheté directement sur internet les cartes, parce que en fait t'as des cartes qui valent le prix de la boîte, et honnêtement on préfère encore acheter une boîte, pouvoir faire une vidéo, s'amuser à ouvrir un truc que d'acheter directement la carte. Exactement. Parce que c'est pas le même. C'est toujours plaisant de paquer la carte. Mais je pense que voilà, si aujourd'hui on paque pas de cartes, je pense qu'on va peut-être acheter certaines cartes qui nous manquent. Bah là, oui, il va falloir parce que en français, je pense que ça va être impeccable. Bah si c'est comme les oiseaux de galère dans Wild de Glace. Voilà, donc une ou deux. On va aller directement aller les acheter. Si jamais on paque une carte de malade dans une, on arrête et on monte la collection de certains Pokémon de Kim. Oui. Ouais, mais et ça veut dire qu'on paquera pas de carte de malade. Mais si par contre, il y a, c'est pas incroyable, j'espère juste pas filer la ligne 4. Parce que sinon. Bah, c'est bien, mais. Non, c'est bien. Faut aller voir la dernière vidéo. Oui, voilà, c'est ça. Donc, faut aller voir la dernière vidéo, comme a dit Guillaume. Faut mettre un maximum de pouces bleus, faut s'abonner à la chaîne. Oui, quand c'est moi qui commence, c'est un peu mieux. C'est moi qui ai commencé la première avec Chaz. Oui. D'accord. Avec Chaz et. Non, mais ça va, bon, c'est crescendo. En fait, on a eu des cartes moisies, on a eu des bonnes cartes, mais pas celles qu'on voulait. Peut-être qu'on finira par celles qu'on veut. C'est toujours plus à la fin. Bah, franchement, pour ta collection de Filali. Bah la Filali VMAX alternative qui est dans le champ avec les roules de pâle. Ah oui, ouais. Elle est incroyable. Oui, ouais. Donc, non, mais il y en a plein paquet. Non, mais il y a la Nymphalie dans la boulangerie ou je sais pas, là, t'as une Filali. Il y a la Nathalie dans la rue. Non, mais il y en a plein paquet. Elles sont toutes magnifiques. Il y a la Pyrolie aussi. Il y a les arcs-en-ciel. Moi, une arc-en-ciel, ça me ferait plaisir également. Il y a aussi la Pyrolie qui est près du feu. Elles sont toutes magnifiques. De toute façon, les alternatives, il n'y en a pas une qui est moche. Elles sont toutes magnifiques. Yes. Rainbow, moi honnêtement, je. C'est moins bien, mais. C'est moins après, bien, ça reste mais je serais très contente quand même. Bah oui, ça reste. Et quand puis même le cool. Must du Must, bah, c'est la VMAX alternative. Peu importe laquelle. Peu importe même laquelle. Même si c'est une double. Bah ouais, après Noctalie, voilà, j'aimerais bien avoir une autre quand même. Parce que là, les doublons. Non, on ouvre pour avoir des cartes différentes quand même. Oui, voilà, exactement. Misdibule, Larveillette, et forcément, vous l'avez vu, eh bien, on ouvre à la suite parce que. Oui! On veut se donner. On a été très satisfaits de la dernière ouverture, mais en même temps, il manquait le dessert, la cerise sur le gâteau. Le petit déclic, quoi. Le truc qui fait, tu te dis, ah, c'est cool. Exactement. Alors, Pandesprit. Et pourquoi pas une boîte avec deux Ultra aussi. Et Scaraboot. Donc, soit tu mélanges, soit tu mélanges. Non, non, moi je prends la suite. Moi j'ai tout mélangé. J'ai déjà tout mélangé au début. Ouais, mais t'as pas mélangé et on a eu. Une alternative. Oh allez, est-ce qu'on va avoir de la chance dans ces 6 boîtes J'espère. Si vous avez les vidéos, c'est que c'est pas trop mal. Oui. Normalement. C'est sûr. Parce que nous, quand. Bah après, en voilà, on fait beaucoup de vidéos sur un Pokémon, mais on préfère faire des vidéos bien. Oui, exactement. Voilà, avec un tirage bien où on est content de ce qu'on a, ou alors où c'est marrant, quoi. Oui. Comme Chaz. Et là, si on a Chaz aujourd'hui, je crois qu'on arrête d'ouvrir des vidéos. Oui, je crois, c'est comme Reine de Glace. On a eu la chance, en fait, on a trop forcé la chance. C'est-à-dire qu'on avait eu. Ouais, mais Givrali, on n'a pas trop forcé là. On en a non, mais on avait eu la Noctali VMAX, on s'est dit ça sert à rien d'en ouvrir plus et on ouvre quand même. C'est pas bien, oui, c'est mais vrai. En même temps, au prix du produit, c'est le plus intéressant à acheter aujourd'hui en fait. Oui. Parce que c'est 3 fois moins cher qu'une boîte française et en fait, t'as que des cartes bien. Donc, oui, puis l'alternative, vaut une boîte, vaut le prix d'une boîte. Oui, donc il y a plus de plaisir à la paix. Et puis t'as beaucoup de chance au moins de. Oh là, j'ai une gold. Oh, joli, mais c'est pas possible, hein. Non, mais c'est pas nul. C'est pas nul, mais non, c'est méga pas nul. Nul mais... Stade de Greenbury. Stade de Greenbury. Je sais pas. J'espère qu'elle est bonus. J'espère qu'il y a autre chose, ouais. J'espère qu'elle est bonus. Les Argus au moins, quoi. Punaise, les gens. Mais non, mais c'est pas comme ça. Ça se trouve, il y a une autre chose. Rien du tout, wesh. Punaise! Mais c'est trop nul, mais non, mais. C'est pas possible, hein. C'est le pire truc, je sais pas, il y aura une Nymphalie en gold, on aurait non, rien. Non, mais il y a tellement de Nymphalie pour avoir 3 dresseurs, quoi, en 6 boîtes. J'ai tout spoil! Au moins, il y a 2 hits et on l'avait pas eu. Voilà. Bon, je pense qu'on peut garder le reste, hein, et ouvrir la dernière boîte. C'est quoi cette boîte pourrie, là? On a ouvert tout dans le désordre. Mais non, mais on a fait n'importe quoi!
Mais non, mais j'ai ouvert en mode je me spoil parce que je m'en fous et en fait j'ai un truc direct. Bon bah au moins le direct. Ouais, c'est très bien. C'est très bah, bien. Du coup, c'est une bonne boîte. Oui, là c'est une très bonne boîte. Parce que deux hits, ouais. On l'a fait. Ouais, une deuxième bon. Fois, donc c'est possible, vous le voyez. Ah oh, mon dieu, c'est une bonne boîte. Et en plus, c'est pas des doubles. C'est des doubles. Pas des doubles. Ah, t'as mis une alternative. Mais oui, bon, mais après, c'est très bien. Elle est magnifique. La Gibraltar. La gold est bonus, magnifique. Donc tu fais ok. Ouais, okay. C'est bien. Là, ça, ok. C'est bien. Là, ok, on parle. Mais après, j'étais un peu dégueu parce que forcément, c'est juste la. Si... Non, mais oui, mais souvent. Mais punaise, c'est quoi ces boîtes là? C'est quoi ces boîtes là? Allez! Une Pepax alternative pour finir. T'as vu, je t'ai dit, c'est crescendo. On va finir par une méga boîte. Elle est belle par contre. Deux, c'est bien. Deux, c'est très bien. C'est pas bien, souvent. On l'a fait que deux fois. Hein. C'est la deuxième fois qu'on le fait. La première fois, on avait eu Gourde. Gourde, je vous dis pas la tête qu'on a fait. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, mais. Après, on a eu une alternative, une boîte avec deux, c'est pas trop mal. Hein. Oui, oui, c'est pas mal. Franchement, on est assez gagnant dans le français. Bah, il y a eu juste Chaz. Vraiment, c'était celle qui était en dessous. Non, mais même. On a eu des. Bah, allez, j'ouvre comme ça. J'ouvre le troisième, c'est celui-là. Il y a direct la carte, regarde. Punaise, mais non, mais ouvre pas direct la carte! Quoi? Mais je veux pas avoir direct la carte, c'est un peu de suspense quand même! Mais non, mais j'ai la carte là, c'est bon. Elle mais est non, là. Je le veux mais pas! Mais si, là, c'est une alternative du max. Miaouss. Et. Ah bon, t'es peur, hein? Oui, bah oui! Je pioche n'importe où. Ah, c'est. Non, mais si, c'est non, bien! C'est pas... mais c'est comme l'autre! Mais c'est comme l'autre, c'est. Punaise! Après, moi, Gibraltar, tu l'as pas eu. Au moins, ouais, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Chaz! Une V. T'as eu cru que c'était une. Hein. Mentalis. Bon, oui, bah oui. Oh là là, ça aurait pu être l'alternative au moins. Non, mais c'est mais ça. Il n'y a pas d'alternative, je crois. Si, il est dans la neige. Ah oui, c'est vrai. Il est dans la neige en train de jouer avec des canards. Ah oui, oui, oui. Il y a tellement d'alternatives. Les foulards, elles sont vraiment pas ouf à chaque fois. Hein. Tralala, les gens, il reste plus qu'à savoir c'est quoi la carte là. Ouais. Tout va jouer là. Hein. Tout va se jouer là. Bah, ah, deux cartes. On a dit souvent quand c'est une gold, c'est bonus. Parce oui, qu'elles oui, sont oui, tellement nazes, oui. Les gold. Oui. C'est un fait. Les gens, je veux dire, t'as un stade. Bah, une justement, gourde, ils ont bien fait la. Et justement, ils ont c'est bien fait si c'est ça à chaque fois. C'est oui. Bien fait. Franchement, les Japs, pour ça, ils sont c'est bien. Parce que. Mais t'as un accord en mettant une gold dresseur ouais. Et puis rien d'autre. Exactement. En français, tu sais. Tu stresses. Oui, un peu. Tu stresses. Je continue à aller dans le 3. Je stresse aussi. Bah, je stresse plus trop parce qu'en fait, tu fais ah, ouais, on a eu vraiment eu de la chance. On cherche pas à avoir. En fait, c'est toujours. C'est ouf, c'est ce karma. C'est toujours vrai. C'est, on cherche pas à avoir la carte la plus chère. On veut juste paquer des cartes qu'on n'a pas et qui sont stylées. Et il y en a oui. Plein. Oui. Mais genre. Après, on les avait pas, mais sauf que. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Toutes les alternatives, toutes les arcs-en-ciel. Ouais. Toutes les VMAX alternatives, il y a au moins 15 cartes limites qu'on souhaiterait avoir et qu'on peut pas avoir. Et tu fais, c'est pas j'ai l'impression que c'est Règne de Glace bis et c'est pour ça que j'ai peur pour Évolution Céleste. C'est pour ça que j'ai vraiment peur parce Évolution que là, franchement, Céleste. Si on a un Roma Lady encore une fois, les gens, tu fais bah non, non. Bah, je te dis, j'ai pas foulé la boîte au début, mais en même temps, Simir, t'as une gold, tu fais bah gold c'est forcément nul, sauf si c'est les Argus et c'était pas les Argus. Non, moi je préfère avoir ça que les Argus, je trouve vraiment moche les Argus. Bah non, au moins c'est un Pokémon. Oui, mais je m'en fous, c'est moche. Au moins c'est un Pokémon. T'as pas assez de force dans les doigts. Pour. Punaise, ben non, mais deux c'est bien. Deux, parce c'est que c'est bien. Rare. Hein. Oui, oui, oui. Allez. Bon. Attends. Je crois que c'est une alternative. Attends, je crois que c'est une alternative. Attends. Je crois que c'est une alternative. Non, toi, il peut pas. On va regarder là-haut. Quelle couleur? C'est pas une alternative. Et une boîte avec deux cartes, franchement, on a fait fort. Hein. J'ai vu en bas, j'ai fait, c'est pas rose. Elle je sais est... pas quoi. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Ah, franchement, mais les gens, j'étais tellement parti négativement. Non, mais j'étais tellement parti négativement parce que Felsimer, tête de Greenberry. Ah, gens, ouais, mais on aurait pu avoir tout. Et... Enfin, on est... oh, oh, là, là, au moins, on a une deuxième. Bien. Il y a tellement de cartes alternatives. Mais et oui, je suis mais... sûr, elle tombe facilement puisqu'on a eu trois fois Philali des gens. Oh là là, elle est magnifique. Avec la ville derrière, ah, elle est magnifique. Incroyable. Là, je m'en souviens même plus ouais. De cette carte. Je crois que c'était Pyroli. Non, mais il y a vraiment trop de cartes. Ouais, je crois que c'était Pyroli aussi dans la cheminée. Oui, moi aussi. Non, mais les gens, il y a tellement de cartes alternatives. Ah, je me suis hype. Et en fait, après, quand oui, j'ai mais dit non, mais attends, pousse-toi. Mais quand t'as vu hype, le. J'ai fait. Et mais oh, la pochette. Oui, oui, attends, mais non, mais j'explique. Pousse-toi. Mais je sais. Mais non, mais t'as mais... vu le côté rose oui là-haut et t'as là, fait une carte pourrie. Mais non,
est belle. Elle est belle. C'est même pas question de prix, c'est, on l'a jamais eu. Mais non, mais on voulait, c'est ça qu'on voulait. Elle est incroyable. C'est ça qu'on voulait, il y a juste Philalie. Oh là là, dernière boîte toujours. Hein. Mais non, mais on finit, c'est crescendo. Ouais. C'est crescendo. Bah non, parce que c'est la même rareté que Philalie. Mais, Si seulement on avait une Philalie différente, oui, une contre, autre, ouais. Si on avait Pyroli, ça aurait été énorme. Ouais. C'est deux alternatives, parce qu'en fait là pour nous, on en avait qu'une seule nouvelle quoi. Après, elle est belle. Hein. J'ai pas rentré ma collection. Non, je vais en offrir un peu. Ah non, encore. Mais genre, j'ai gâché la boîte au début, mais je suis obligé. Alors, oui, s'il y avait une alternative, j'aurais vraiment gâché la boîte. Mais au final, voilà, t'as une foulard, t'as. En fait, soit t'as une boîte à une centaine d'euros, voire plus, soit t'as une boîte à 20 balles, quoi. Et encore pire, si t'as Chaz et rien d'autre, comme on a Chaz, vu. Ah bah, Chaz, c'était une catastrophe, hein. Oh là là, je suis trop contente. Bah, elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. En mode nuit. Voltali, c'est pas mon Pokémon préféré, mais alors, cette carte, elle est juste dingue. Ah, elle est magnifique, mais non, mais elle est magnifique. Non, mais elle est magnifique. Mais carrément double pochette, hein. Mais d'habitude, oui. C'est moi qui l'aimais, double non, pochette. Non, mais elle est magnifique. Non, mais regardez cette œuvre d'art. On l'a eu en plus, Voltali, en foulard. Non, mais tu peux la montrer, dégueulasse. Hein. Mais je peux vous la montrer. On était contents, mais pas trop. Bon, au moins, on finit bien. Au moins, il n'y a pas trop de sentiments de. Bah, juste. Mais regardez cette différence, juste quoi. Mais non, mais comment vous voulez qu'on soit content quand on pack une foulard? En fait, t'as cru que c'était. En fait, là, t'as vu des lumières, donc tu vois, c'est une alternative. Après, t'as vu là, donc t'as cru que c'était que du rose, t'as fait ça va être tout pourri. Et après, je suis trop contente. Elle est belle. Bah non, c'est trop cool. Ah, elle est magnifique, je suis trop contente. Bah non, mais c'est trop cool. Ah, c'est trop cool, on finit c'est trop bien. Trop cool. Ah, j'ai trop peur et on finit trop bien. C'est juste trop cool. Ouais. Elle est moins cotée que la Philalie, c'est assez marrant. Un peu moins, mais ça reste quand même 90€. Oui, donc. Mais on s'en fout, c'est pas le principe. Non, c'est pas le principe. C'est juste d'avoir. Mais c'est juste que voilà, 90€, moi je vais pas mettre 90€. Et puis là, en fait, t'as mis 100€ pour la boîte, mais tu l'as paquée. Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais avoir. Et à côté, t'as. Bon, bah c'est bien. Je veux racheter du. Mais il y a les max alternatives, hein. Bah oui, il y a toujours les arc-en-ciel. Et puis il y a Pyroli alternative, Nymphalie alternative, Noctali alternative. Ah, c'est Acolie alternative. Non, mais il y a trop de cartes. Non, mais c'est pas possible le nombre de cartes alternatives. Ah, je suis contente. On va regarder. C'est une des cartes que je voulais absolument. Bah, une des alternatives. Oui, une des alternatives. Ouais. Oui, mais Philalie, j'ai eu. Et... Allez, non, mais on va regarder la card list parce qu'en fait, il y a tellement de cartes à avoir que même nous, on a oublié. Joue comme une bourrin, mais normalement, il devrait. S'il y a une deuxième carte, deux boîtes avec deux cartes, ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait. Mais on va tenter. Hein. Oui, oui, oui. On vient de le faire juste avant, donc. Ah, alors... c'est incroyable. Ah, oh, c'est incroyable. Ah non, il y a Givre. Ah oh, ouais, non, mais non. Non, mais oui. Mais non, les gens. Ils peuvent pas tout. Il y a Philalie alternative. Il y a Pyroli alternative. Il y a Aqualie alternative. Givrali alternative. Voltali alternative. Mentali alternative. Nymphalie alternative. Noctali alternative. Vas-y, mais attends, non, mais montez. Les gens, au bout d'un moment, je veux bien. Au bout d'un moment, il fallait les paquer quand même. Donc là. Celle-là, on l'a eu. Il manque du coup. Pyroli. Moi, je crois que c'était celle-ci parce qu'elle était marron en fait. Du coup, il manque les deux là, qu'on n'a pas eu. On a eu Aqualie, Givrali, il manque la Givrali alternative. Voltali, on l'a eu. Et on a eu l'alternative. Elle est là. Ah, elle est magnifique. Mentali, on l'a eu et on n'a pas eu l'alternative. Nymphalie, on l'a pas eu et on n'a pas eu l'alternative dans la boulangerie. On l'a eu. On n'a pas eu. Non, mais il y a 15 000 alternatives, quoi. Et du coup, après, ce qui manque, c'est ça. Oui. Bah après, aussi, elles sont pas très rares, mais. Oh là 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 là. Ouais, celle-là, elle est magnifique. Et celle-là, elle est magnifique. Et celle-là, on l'a eu. Et je savais même pas qu'on pouvait les avoir en arc-en-ciel. Mais non, mais à la limite, on aurait eu l'énergie gold ou les argus, j'aurais rien dit. Punaise, on a eu celle-ci et celle-ci en gold, les gens. On a eu les deux pires, quoi. Après, on a pas eu de chasse arc-en-ciel. Hein. Oui, oui, oui. Je crois que c'est non, mais il y a juste 10 cartes encore à avoir. Et tu fais, attends, les gens. Voilà. Je recommande pas tant que vous m'avez pas dit, Kim, tu peux recommander. Est-ce que je recommande? Voilà, bah, en fait, tu vois, en fait, on a ouvert deux boîtes à chaque fois, et à chaque fois qu'on ouvrait deux boîtes, c'est toujours bien. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire, pour un budget de 200€, c'est le prix d'une boîte française, sauf que là, t'as toujours des cartes bien. Oui. Philalie, VMAX. En plus, la dernière fois, on a eu une boîte avec 3 VMAX. Oui. En plus de l'alternative. Oui. Ah, elle est magnifique, Voltali. Alors là, c'est pas la préférée des gens, je crois qu'elle est moins rare. Ouais, mais elle est magnifique. Moi, je l'aime bien, elle est énorme. Ouais, tu sais que t'aimes bien Voltali. Bah non, mais surtout dans la nuit, comme ah, ça. Ah, je suis contente. J'ai eu peur encore une foulard basique et il a fait deux dans la première boîte et une alternative dans la deuxième. Comment qu'il m'ouvre ça? Mais non, mais c'est ma boîte, c'est moi qui ai fait, je m'en fous, je fais ce que je veux. C'est toi qui as paqué l'alternative. C'est moi qui ai paqué l'alternative, c'est moi qui ai paqué Aroma Lady. J'ai paqué la gold. D'accord. Vas-y. J'ai pas trop apprécié. Vas-y, je suis puni. Bah, en fait, finalement, au bout d'un moment, Pokémon, t'as juste peur d'avoir des cartes pourries plutôt que d'être content d'avoir des cartes bien. Oui, c'est.
Purée, mais il faut vraiment ranger ça. Hein. Oui. Oui. J'ai vraiment peur pour Evolution Céleste de vraiment avoir que des. Noctali. Que des cartes de S7D, de Dioralgon, des choses comme ça. On verra bien. Hein. En fait, t'es sûr de paquer, au moins t'as une très forte chance de paquer une Evolution. Il en reste un seul, donc je pense que voilà, la double carte c'est mort. T'as fait une carte quand même. Dernière chose. Une V. Donc on a eu. C'était nul. De quoi c'était... Ah non, c'était pas mal. Non, c'était ouais, pas 5 mal. V de full art, ok. Bah non, c'est pas mal. Non, mais je crois que c'était nul sur la totalité, mais je crois qu'il y a 3 V. Donc, en 6 boîtes, vas-y, on va montrer ce qu'on a eu en 6 boîtes. Chaz. Non, ça, on l'a pas eu. Vas-y. Je montre. Pyroli. Stade. Givrali. Et il m'en manque 2. Aromalady, tu l'as mis où? Tu l'as rangé. Ah bon? Bon, bah, Aromalady, ouais, mais c'est pas, elle compte pas, Aromalady. Bah pourquoi? Parce qu'on l'a eu trop de fois. 7. Du coup, 7 en 6 boîtes. Aromalady! Voilà. Alors. Pour le coup, alors Chaz, on peut la mettre à poubelle. En gros, ça nous a coûté à peu près 600 euros. Oui, c'est ça. Et on a eu deux cartes à 100 euros. On a eu ça, c'est une cent... ça c'est 100 et ça c'est 110. Donc en gros, on a 200 euros. 200 euros. Ça dépend. 250. Ça c'est 270. 300, on va dire. 300. Ouais, 3. On a en gros, on avec a, les cartes on ultra, a on a plus de la moitié. Ouais, un peu plus, de la moitié. Sans compter. Bah. Comptait... Non, y a, tu as tout pris, t'as trop pris. Ah oui. J'ai après, pris après, des après. Cartes pourries de... Là. Là. Sans compter tout ça, quoi. Et encore, il y en a d'autres, elles sont pas là, je crois. Oui, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, ouais. Mais les gens, on a eu un paquet de trucs, et donc du coup... Bah, on a eu 13 ou 14 V... 13 V max, je dirais. Et puis, 4 fois 6... Est-ce que vous voulez voir un peu les cartes qu'on a eues dans l'extension? Parce qu'il manque quelques cartes qui sont pas là. On a eu ça, ouais. Alors ça, vous êtes super content de le voir, je pense, aussi. Ouais, ça, on était méga dégoûtés. Les deux gold qu'on a eu, ouais. Les gens. Ouais. Les deux gold qu'on a eu, on aurait pu avoir au moins une... On a eu quand même une seule arc-en-ciel, non mais... Ouais, c'est vrai qu'on a eu une seule arc-en-ciel. What? Au moins c'est la plus belle. Pourquoi hein on a eu une seule arc-en-ciel? Tu fais d'accord. Il y a un panel énorme de VMAX. On a eu rien du tout. On a eu la Philali en comme ça aussi, qu'on avait vu la dernière fois. Oui. C'est moi qui check parce que c'est la collection de Kizo. Là, oui, là c'est monstrueux. Le problème c'est que c'est une fois. Hein. Ouais, une fois sur combien? 15 boîtes? Ouais. Et pas d'autres VMAX. Après on a eu la meilleure. Après on a eu parce qu'il faut savoir que par exemple la Philali VMAX alternative. Au moment où on avait packé celle-ci, elle valait 100 euros à peine, je crois, oui, la Philali. Oui, oui, oui. Et on avait hésité à l'acheter, on aurait dû l'acheter peut-être. Celle-là, elle vaut un petit peu plus que le reste des foulards. Bah, les Noctali, elles valent cher. Ouais. Ouais. Ah, bah si, on a eu. Ouais, en fait, on en a eu plein, mais les foulards basiques. Oui, les foulards basiques. Après, au moins, on n'a pas eu 15 000 fois chaque foulard basique. On oui, a eu vraiment. Oui. Bah, justement, on a eu zéro. On a eu vraiment que l'alternative 3 fois de suite, en fait. C'est ah, bizarre. On a eu aussi celle-là, je me souvenais pas. Voilà, qui me couvre trop de cartes, qui se souvient pas de ce qu'elle a. On a eu celle-ci qui est marrante, parce que du coup, ah elle oui, est dans ouais, les packs promotionnels. Promo. Donc je sais pas comment elles vont être incluses, peut-être en Pokébox, parce qu'il y a des Pokébox. Après, je te rappelle, c'est vrai que j'ai oublié, mais on va recevoir du coréen. Alors après, ça va être oui, bon. Oui, oui, oui. Ça va être très bon, le oui, coréen, oui, oui. Arriver, parce que ça... Déjà, c'est pas sorti. C'est pas sorti, puis ils envoient pas en express. Et Evoli, y a pas. Voilà, ben non, y a pas Evoli. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Vraiment, donc il manque, coup, il manque, en full art simple, Givrali. Non, je l'ai eu. Givrali en foulard simple. Mais quand même, on vient de l'avoir. Ah oui, eh ben on venait de l'avoir. Attends, alors, vas-y. Voltali. En foulard simple. Aquali. Mentali. Noctali. Philali. Ah non, Fali. Nymphali. En foulard simple. Ouais, ça va, ne tape pas. vas-y là. Il nous manque juste Nymphali. C'est dommage parce que t'as failli avoir toutes les cartes. Oui. Bah, en non, fait, mais Nymphali, non, mais voilà, dans la globalité, elles sont pas moches. Déjà, on voit direct celles qui sont moins moches, c'est Aquali. Oui. Ah, parce qu'il y a des bulles derrière, donc c'est dans le délire. Philali, parce que c'est dans ses couleurs. Oui, Givrali, moi j'aime bien, le rose. Ouais, le quartz. Noctali est plus sympa. Et là, la pierre, je crois que c'est Pyroli. Non, c'est Voltali. Non, Pyroli, il est pas joli. Le design de Pyroli, il est pas joli, je trouve. Ouais. Elle fait trop. Du coup, en alternative, on en a eu deux. On a eu. Bah, on a eu deux, mais quatre. On en a eu quatre, mais deux. Ouais, quatre, c'est mais dommage. Deux. Quatre, mais deux. Après, on a eu des très belles. Bah, forcément, là, il manque toutes les autres. Non, mais arc-en-ciel, ça. Et en arc-en-ciel. Vous savez que les arc-en-ciel. Non, mais tu vois, tu devrais acheter les arc-en-ciel. Parce que les arc-en-ciel. Oui, oui. Combien écoute la Nymphalie arc-en-ciel? Franchement, la petite discussion, les gens passent. Je l'ai. Combien, oui, mais combien écoute pour savoir combien coûtent les autres 0,92. Elle a éclaté. 80. En fait, elles ont. Bah oui, parce que finalement. Ah, bah parce oui. qu'elles valaient 30 balles, hein, moi, quand oui, j'ai oui, eu. Oui, donc en fait, tu vois, donc c'est pareil, il faut les paquets des arc-en-ciel. Oui, oui. Mais là, voilà, il manque. Chaz va peut-être monter à 12 euros.
achetez-le vite. Vous pouvez les brûler, celle-ci. Oh, les gold. Ouais, les gold. On a vraiment eu les pires gold. On aurait pu avoir les Argus, ça aurait fait vivre un peu. On va dire, oh yes, oui, Argus, oui. Et puis après une autre carte. D'un côté, je préfère en fait acheter une boîte. Ouais. Que de racheter la carte à 100€. Bah ouais, si l'alternative elle est à 100 balles. Après, bah, j'attends le français, j'attends aussi les boîtes qu'on ouvrait en anglais, mais je pense qu'on va pas qu'ils en boucle du Miamiasme, du Desiland et ouais, sinon on arrête, on attend après, oui, voilà. Parce que là, une boîte anglaise ça va être 130€. Hein. Oui, oui. Mais sauf que je vais avoir Miamiasme quoi. Et le problème c'est que t'as. On va l'éditer Miamiasme, je pense. Tu penses? Bah j'espère. Comme Pondrapi. Oui, non, oui. Faudra qu'on vous montre cette boîte quand même. Oui, rempli de dresseuses full art. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu cette vidéo. Moi, je suis contente dans l'ensemble. Peut mieux faire sur certaines cartes, notamment Chase. Bah oui, non, mais les gold. Allez, ouais, mais les la gold, on a eu autre chose avec, donc je m'en fous en fait. Oui. Bah oui, Pyroli, on l'a eu au tout début. Et on a eu Pyroli. Tu veux juste de la plier en deux? Non, tu touches pas mes cartes. J'ai plus qu'à les toutes les ranger maintenant. Punaise, mais tu les ranges en double pochette, toi. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Mais c'était à l'époque. Bah c'était pas à l'époque, c'est juste que toi qui m'as rangé. On en avait plus des pochettes hard. Ouais, c'est ça. Bah oui, à l'époque, on en avait. Bah non, mais si, ça valait 30€, donc on mettait pas. Sauf que là, ils vont plus. Exactement. Ouais, par rapport à la valeur, tu protèges aussi. Oui, plus c'est cher, plus tu protèges, c'est normal. Non, t'es collectionneur. Hein. Bon, je suis quand même contente de mes cartes. Je pensais pas que j'avais autant de foulard que ça, donc c'est plutôt cool parce que non, j'ai la collection. Non, oui. Après, il faut juste les alternatives. Et puis les arcs-en-ciel. Ça serait bien, on essaie d'en avoir, parce qu'on en a eu une seule. Hein, oui, une seule. Oui. Après, on a eu 4 alternatives. Ouais, on aurait pu avoir Chase en arc-en-ciel ou Aromatic. Voilà, les gens. Donc, on va pas se plaindre. Pas hésiter à mettre un action de pouce bleu. Franchement. On se retrouve pour un super truc qui arrive sur Pokémon, ouais. Sur notre chaîne, voilà. Dans quelques jours. Faut rester au rendez-vous. Faut s'abonner. Faut activer la petite cloche. Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Game Kim. Allez, salut!